Bonjour à tous, c'est là GP1 surtout pour une nouvelle vidéo sur du Zelda Wind Waker. Surtout pour l'épisode 15, et la dernière fois on avait atterri sur l'île du Poisson. Où l'île a été apparemment maudite. Et Jabu a été obligé de partir d'ici. Pour éviter de se faire baiser. Le grand bal Jabu est donc sain et sauf. Cet esprit qui a traversé courageusement les âges aurait donc perçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les dires de ce piaf, les pirates seraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabu. Allons donc sur Mercantile et tentons de découvrir ce qui se passe, d'accord? Donc on va aller sur Mercantile. Mais avant tout cela, on va visiter pour voir s'il n'y a pas des choses sur cette île du poisson, parce que on peut potentiellement louper des choses, hein. Mais on a quand même visité quelque chose pour voir s'il n'y a pas des trucs. Et des mémoires, on peut juste aller sur cette île qui est en face de nous. Bien sûr, là on avance totalement à contre-vent, donc on va changer le vent. Et hop, on va. Ouais, si tu veux, on peut aller par là, hein, si tu veux. Ça change pas grand chose. Hop, on va descendre et on va monter. Si Link veut bien, il veut. Ah voilà, c'est bon. Link est monté. Nickel chrome, mais il pleut toujours, hein. C'est la catastrophe naturelle. Il y a un petit Tikui, un Mojo je veux dire, pas Tikui, Tikui c'est dans Skyward Sword. Sauf que je suis con, j'ai oublié de mettre le vent. Bon, c'est pas grave, on fera ça pour la prochaine fois. Là, on va partir en direction de Mercantile. Ça, il va falloir revenir pour les cartes de cœur, donc ça, on le fera plus tard. Hein. Et la musique est très lugubre. Hein. Très 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 lugubre, c'est le cas de le dire. Hein. Et on a encore mer, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode. Et il y a des requins qui arrivent. Les requins, il va falloir les esquiver en sautant. Sinon, bah, tu vas mourir. Et hop, on va sauter parce que là, si j'avais pas sauté, je serais fait toucher par le requin. Ça s'est clairement vu. Mais quelquefois le requin il fait des feintes et quelquefois tu sautes quelquefois pour rien. Mais moi dès que je vois le requin qui arrive je saute. Comme ça c'est clair et net, sûreté absolue. Donc on va aller voir Tingle. Parce que c'est l'île de Tingle ici, mes amis. Lutin! Je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer? Hein? Non, tu veux pas jouer? La prochaine fois, apporte-moi une de ces cartes dont je raffole. Tu sais, ces cartes que je suis le seul à savoir décrypter. À bientôt, lutin. Reviens quand tu veux prendre du bon temps sur la tour de Tingle qui tourne par magie. Ouais, elle tourne vachement par magie. T'as juste deux soumis qui sont en train de tourner la tour, c'est ça en fait le truc. C'est clairement ça, avec un tingle blanc et un tingle rose. Les soumis quoi. Good evening. Vous avez vu du courrier, lettre reçue 1, lettre numéro 1.
Si tu veux améliorer ta maîtrise de l'épée, trouve des blasons d'épéiste, reviens vite. Orko. Il nous offre un petit rubis rouge. Donc, il faudra récupérer des blasons d'épéiste. On a eu un dans l'île du dragon, avant le boss. Mais ne vous inquiétez pas, les blasons d'épéiste, ça se récupère assez facilement. Quand tu as la technique. Quand tu as la technique, bien sûr. Sinon, c'est voilà, c'est pas marrant du tout. Donc, on va aller voir le petit poisson. Pour qu'on lui donne à manger. Hop, nickel chrome. Bon, il va dire exactement la même chose que d'habitude. C'est-à-dire, vas-y, montre-moi ta carte, va dépiter ta carte, nickel chrome. Île de Tingle. Sur cette île habite un type ridicule Tingle qui se donne des airs de gamin alors qu'il n'est plus si jeune que ça. Mais je dois avouer qu'il s'y connaît, qu'il s'y connaît vraiment dans le décryptage des cartes, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences, hein. Par contre, il prend une fortune. Inutile d'y aller si ta bourse est vide. C'est tout pour le moment. Tu veux que je te répète encore? Ouais, si, c'est toujours le même. C'est toujours le même discours qu'il fait. Et donc maintenant, direction mercantile. Mercantile qu'on voit au loin. Et un petit requin qui vient nous attaquer. Et on va tranquillement y aller. Parce que ça met quand même du temps pour aller hein, d'une île à une autre. Hein, c'est. Mais bon, j'ai pas envie de vous faire d'ellipse car on peut potentiellement louper des choses hein, en passant. Faisant des ellipses. Voilà. Le requin qui est toujours en train de nous tourner au rond. C'est ce que font les requins habituellement. Hein. C'est juste que là, le requin il nous fait des feintes tout le temps. Tout le temps des feintes. Il nous fait tout le temps des feintes. Et ce piaf avait raison, voici le bateau des pirates ancré à l'abri des regards. Je ne sais pas ce qu'ils doivent, mais ils doivent bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Link, essaye d'apprendre en cachette ce que font les pirates ici. Mais nickel chrome, monsieur Lion Rouge. Voilà, donc j'ai fait une petite ellipse. Parce que j'ai dû faire quelque chose entre temps. Voilà, donc. On va récupérer la petite bouteille que je suis le seul à lire vu que j'ai le seul qui a le gamepad. Et donc. Là, j'avais l'intention de faire des quêtes à. Des quêtes annexes. Sauf que vous allez voir que toute personne dans cette ville va parler des pirates. Et donc, les quêtes annexes, bah. C'est un peu raté pour cet épisode. Bienvenue, vous êtes à la pharmacie Chuchu. Nos potions sont les meilleures, je peux vous l'assurer, elles sont même trop efficaces peut-être. Hein? Vous me demandez de quoi je parle, vous ne connaissez pas donc les gelées Chuchu? Vous n'avez donc pas jamais entendu parler de la gelée Chuchu, cet ingrédient naturel très efficace qui revitalise comme aucun autre. Nous faisons une potion aux vertus vraiment étonnantes. Apporte-moi un flacon vide, je vous ferai goûter notre potion. Mais peut-être que vous avez déjà un flacon vide sur vous.
Et bien sûr, j'ai un flacon vide. Donc une potion à base de chuchu 100% naturel, ouais. Donc allez, on va prendre une potion rouge. Va l'acheter. Nickel chrome. La potion rouge qui est Astor Weaker. Et merci beaucoup. Et c'est tout pour le moment. Et on va casser les petites bouteilles. Allez, hop, un petit rubis qui est ici et un petit rubis bleu qui est ici. Allez, hop, rien à foutre, on casse tout. Hein. On va poser l'objet X, Y, X ou R et un peu de bonheur annulera la ville. Association des bénévoles du bonheur. Bon, ça c'est pour un autre truc. C'est notamment pour une quête annexe en réalité. Sauf que avec les pirates, tous les mecs qui parlent des pirates et les Katanex, ils s'emballent les couilles. Oh, monsieur Arnaque. Il souffle un vent terrible ce soir. Je ne sais pas comment, mais pourquoi je n'arrive pas à me calmer. Ok, super calme. Super. Information super utile. Comme ça, on n'a pas remarqué qu'il faisait pas beau dehors. Donc là, on peut voir les pirates. Et là, on va au bar hein, pour voir. J'ai entendu dire que des pirates allaient venir ici. Je me demande si c'est vrai. J'espère que non. Tu imagines, si jamais ils rentrent ici, comment je vais faire? Je t'assure, je l'ai vu. Un énorme bateau pirate qui s'approche rapidement de nos côtes. Ah, il est déjà là, il est déjà là, le pirate. Si jamais les pirates venaient pour de bon, je me demande ce qui arrivera à cette petite île tranquille. Bah, rien du tout. Après l'effort et le réconfort, on a bien mérité une tasse de thé, non? De café, non? Les pirates aussi ont le droit de se reposer en mer. Il n'y a pas de café comme celui-ci. T'es au courant, on dit que des pirates vont venir sur l'île. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire ça. Eh bah si, faut croire que les pirates sont sur l'île. Les mecs, en fait, ils sont tous dans le passé, là. Ils disent, ah ouais? Des pirates vont venir? Alors qu'ils sont déjà là en fait, c'est juste comme ça. Hein. Mais bon, on va arrêter d'aller chercher de parler dans les maisons. Tout simplement parce que ils vont tous parler des pirates, ça sert à rien vraiment de fouiller. Et donc on va directement à l'endroit où les pirates sont. C'est-à-dire dans cette petite maison, mais la porte a été fermée, je ne voulais pas montrer. Mais elle a été fermée cette porte. On ne peut pas y entrer, donc il faut passer par derrière. Ouh, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Oups, je me suis fait fail. J'ai fait le truc. Et hop, on rentre ici. Désolé, mais nous avons besoin de bombes. Si vous voulez trouver des trésors, je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. Tu as dû toupé aussi, te demander un prix pareil à des pirates, tu ne trouves pas? Eh hey, Ogunzo, c'est impressionnant la facilité avec laquelle tu as soutiré ces informations de nos facteurs. Hein? Oh ouais.
Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon Link, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur. Et le tour a été joué. Car on peut dire que dans ces moments-là, tu es le meilleur. Quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées. Si toi, le Gonzo aux mauvaises idées, et Tetra, la Mélaine avait des enfants et ferait de sacrés pirates, croyez-moi. Crois-moi. Pouf, idiot, tu dis n'importe quoi, vraiment? Hein, Tetra, il dit n'importe quoi, pas vrai? C'est juste une blague, Gonzo, juste une blague. Bon, au lieu de dire des âneries, vous feriez mieux d'apporter toutes ces bombes au navire. Une fois qu'elles sont embarquées, nous partons, pourrons partir pour l'île de l'Aurore. Quoi? Mais c'est impossible, ça fait si longtemps qu'on n'avons pas passé une soirée à terre. Faisons un bon dîner ce soir et nous lèverons l'ancre demain matin. En fait, moi, ça m'est égal, on fait comme tu veux. Mais bon, tout l'équipage se réjouirait de profiter un peu de la soirée, ce serait dommage de les décevoir. Allez, si nous partons seulement demain matin, les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein, vous autres, vous êtes d'accord? Vous êtes vraiment bêtes tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île de l'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? Attends-toi, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse? Flagrant délit. Bon, très bien, c'est d'accord. Nous lèverons donc l'ancre demain. Mais demain matin, pas question de faire la grasse manidée. T'as compris? Ouais. Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà? Tu l'as oublié? Tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe est denier. Tu as intérêt à le dire correctement ou Nico ne te laissera pas entrer. Nico est tellement pointilleux sur ces choses-là, je te le répète une dernière fois. Le mot de passe aujourd'hui est denier. Ah oui, denier. Et voilà. Les pirates sont en réalité nos amis. On peut dire ça comme ça. Hein. Et le mec, bah, on le laisse. On peut pas le ligoter, le déligoter. Et donc, bah, il reste à vie comme ça. Hein. Malheureusement pour lui. Voilà. Sur ce, cet épisode se termine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. À dire si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Allez, bye bye.